Qu'est-ce que la tapisserie d'ameublement? Levons le voile sur ce métier. À partir de la demande d'un client, les tapissiers habillent et restaurent des sièges. Mais pas seulement. Ils habillent aussi les murs et les fenêtres en installant voilage, embrase et tenture murale. Sans oublier literie et autres coussins. Bravo l'artiste! Sens artistique et habileté manuelle sont indispensables pour exercer ce métier aux techniques pointues. Il faut également posséder des connaissances en histoire de l'art et savoir reconnaître les différents styles de mobilier. Il utilise des marteaux, des clous, des aiguilles et bien sûr toutes sortes de fils. Ce métier s'exerce dans un atelier qui peut faire parfois office de boutique, dans lequel le tapissier reçoit ses clients. Il se déplace à domicile pour livrer ou éventuellement prendre des mesures. Des ébénistes et des décorateurs d'intérieur peuvent aussi le solliciter. Le salaire de début se situe aux alentours du SMIC. S'il est artisan à son compte, ses revenus varient en fonction des commandes. Face à l'engouement pour la décoration d'intérieur, il étoffe son activité en faisant de la vente et du conseil. Pour se former au lycée ou CFA, on peut préparer un CAP, bac pro et un diplôme des métiers d'art. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir.